Bienvenue à vous. Je m'appelle Aurore et je suis ravie de partager ce hit de 14 minutes avec vous. Vous êtes en forme? Alors on y va. Prenez une grande inspiration. On souffle, on se grandit. On relâche. Une nouvelle. Enroulez les épaules vers l'arrière. On enroule. On va commencer tranquillement. 5 exercices que nous allons enchaîner. Un petit peu de boost pour le cœur et de la tonification musculaire pour le corps. Encore. Enroulez. On continue, dernière fois. Très bien. Un petit peu d'échauffement. On descend tranquillement. Les fesses vers l'arrière et vers le bas. Laissez aller votre corps. Encore. En bas. En bas. En haut. En haut. On échauffe un petit peu le bas du corps parce qu'il va être très sollicité. Encore. Comme ça, on fait connaissance en même temps. En bas. En bas. En haut. En haut, parfait. On continue comme ça. On accélère un petit peu le mouvement. En bas, en haut, en bas. De profil, restez vers moi. De profil, ça donne ça. Là, je rentre bien le ventre et j'amène les fesses vers l'arrière et vers le bas. Encore. Le haut du corps, il est relâché. Hein. Again and again. Vous avez le droit de chanter, hein. Pour l'instant, on peut encore. Reste en bas, tout petit. Petit. Encore. Parfait. 4, 3, 2, on se redresse. On est parti. 5 exercices que nous allons enchaîner. Est-ce que vous êtes prêts? Premier exercice, jumping jack. Attention, 4, 3, 2, on y va. Alors ici, option la plus cardio. Si vous voulez rester là, vous pouvez. On amène bien les coudes vers l'arrière. Et on ancre les talons au sol. Hey, choisissez l'option qui vous convient. Faites-vous plaisir, sport bonheur, on a dit. Alors c'est maintenant. 4, 3, 2, reste sur place, on repart en squat et ici on va faire un petit jump, un petit jump. L'option, on décolle seulement les talons. On y va. Ou seulement les talons. Ah ah, vous commencez le travail, ça arrive. On baisse bien les épaules. Allez, c'est bien, on s'accroche. C'est ce qu'on a fait à l'échauffement. D'accord, c'est exactement la même chose. Mais là, on met un petit peu plus de rythme. Et le dernier. Parfait. Troisième exercice. On ouvre et on ferme les pieds sur place. Gardez les hanches vers moi. Gardez les épaules vers moi. Et souriez. On y va. Allez, c'est bien. On relâche hein, le haut du corps. Par contre, on gagne bien les abdominaux. Ouvrez, ferme. Tranquillement. Encore, encore. Si vous le souhaitez, on descend un petit peu plus. Allez, on met du rythme. 4, 3, 2, on relâche. On passe au sol. Placez vos mains juste en dessous des épaules. Décollez les pieds du sol. Ici, on va aller amener le genou au coude opposé. On engage les abdominaux. Encore. Ici, vous voulez une option un peu plus rapide? On est là.
Et sinon, on ralentit le mouvement. Encore. Serrez votre ventre. Le dos est bien droit. Pas de fesses en l'air. 4, 3, 2, et on repose. On y retourne. Cinquième exercice. Placez-vous au sol. On amène les fesses proches des talons. On grandit les bras tout petit là-haut. Petit. On décolle bien les épaules et les omoplates. Encore. Vous devez sentir le travail au niveau abdominal. Si vous avez besoin, placez les mains en dessous, en dessous de la tête. Soufflez bien. 4, 3, 2, et on relâche. Première séquence de travail. Descendez, relâchez-vous un petit peu. Vous pouvez en profiter pour boire. Ça a été cette première session? Oui? Maintenant que vous savez ce qui vous attend, on va pouvoir mettre un petit peu plus d'intensité si vous le souhaitez. Choisissez votre rythme. Parfait. On relâche. Replacez votre serviette. Recoiffez-vous. On va repartir pour exactement les mêmes exercices. D'accord? On relâche encore. C'est le moment où on réajuste tout bien comme il faut. Attention, jumping jack. Grandissez vos bras. Fléchissez les genoux. Amenez les talons au sol. Grandissez-vous. Ici, si vous êtes là, on amène les coudes vers l'arrière. Encore. 4, 3, 2, ouvrez ferme sur place. Restez gainé au niveau du ventre. Sortez la poitrine. Encore. On va chercher de l'intensité. Vous avez vu ? Changement, intensité et tonification musculaire. C'est ce que vous retrouverez dans ce HIIT. On se remet au sol. Mountain climber. Vous l'allez plus vite? Hey. Encore sur le rythme de la musique. Encore, encore. C'est pas fini. Ici, on se remet sur le dos. Amenez bien les mains vers le haut. On relève les épaules et les omoplates. Tout petit. Soufflez bien. L'option, on pose la main en dessous de la tête. Écartez bien les coudes. 4, 3, 2, et on relâche. Et là, vous vous dites qu'il nous manque un exercice, non? Et non, les squat jumps, c'est pour maintenant. Placez-vous, squat jump. Essayez de décoller les pieds du sol. Hey! Contrôlez le mouvement. Il n'est pas nécessaire d'aller trop vite. Élancez-vous. Grandissez-vous. Vous préférez rester au sol?
On décolle seulement les talons. Grandissez-vous. Serrez le ventre. Encore. Et le dernier. Beau travail. Buvez un petit coup. Relâchez. Il nous reste une dernière partie. On va enchaîner ces exercices. On va diminuer les transitions. Ça va être plus rapide. On termine exactement sur la même chose. On y va ? Challenge. Challenge des derniers. Le dernier challenge du HIIT. Vous m'accompagnez ? C'est là. On repart. Jumping jack. Là-haut. Là-haut. Ça va être rapide. Quatre, trois, deux, squat, jump. Allez, c'est le challenge de la fin. Accrochez-vous. Super, encore, encore, encore. Option, on est là. Ouvrez ferme. N'hésitez pas à prendre les options. C'est pas parce qu'on prend les options qu'on ne travaille pas, bien au contraire. Encore, grandissez-vous. Accélérez. Encore. 4, 3, 2, mountain climber. L'option choisie, soit c'est celle-là, soit c'est ça. On amène les coudes aux genoux opposés. Allez, dernier challenge. On s'amuse en travaillant. Ou sinon, on est là. Relâchez. Abdominaux, j'ai pas terminé. Petit, petit. Encore, décollez bien les épaules et les omoplates. Deux. On relâche. C'est pas terminé, j'ai une surprise pour vous. Restez en gainage, face au sol. L'option, poser les genoux au sol. C'est vous qui choisissez. C'est bientôt terminé. Accrochez-vous. 15 secondes. Allez. Placez les genoux au sol, les fesses sur les talons, allongez les bras vers l'avant et on souffle. Comment ça va? Ça fait du bien? Ça défoule? Eh bien, c'est exactement ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Bravo à vous, merci d'avoir suivi ce cours et surtout, comme vous le savez, keep cool.